Et ce qu'on dit, le chef n'est pas là, il est en train de jouer un rôle en attendant. Ah, moi, je monte à mon consentement, je vous remets que mon conseil, à Zalité, à Zalité, n'a pas fait mon tour sous sa vie, si qu'il y a un mois, quand on tient. On l'a suspendu. Oh, bah, les filles n'ont pas peur, mais ça y est. Quelqu'un prend sa place. Bon, je vous souviens de ce qu'il y a. Il règne éternel. Qui a dans la compagnie, après, on a libéré, on a libéré. Si vous croyez à cette parole. Ce que vous avez dit, on a libéré. L'éternel était où? Il était sur son dos. Voilà ce qu'il y a. L'or qui se lige. Et que Nathan va y arriver là. Allons lire Genèse 6. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Il va aller évoquer pour l'instant. L'éternel, l'or de son délige, il était où? Yahweh, Nathan va y arriver là. Il va aller évoquer pour l'instant. C'est son dos. Genèse 7, verset 16. Ah, Genèse chapitre 7, verset 16. Il entra. Allez, là, mâle et femelle. Moi, je suis mon gars. De toute chair. Na, misounignos. Comme Dieu. Loco, la jambe. La peur donnée. Allez, là, mâle et femelle. Et pas Yanoa. Oui. Mais la cima. L'éternel. Yahweh. Ferma la porte sur lui. Allez, qui n'a pas de mâle et fouille cima Yanoa. Lors du déluge, l'Éternel était où? Yahweh est allé voir qui? Je vais se montrer. Qui était assis là-bas? Et Noé, quand il a construit l'arche, c'était sur la terre ou dans les cieux? Sur la terre. Est-ce que c'est clair? Ah. Noé a construit l'arche. Noé a l'équipe à Kotoma Masua. Il a construit l'arche. A Toni Masua. Il a terminé. Ah, si, si. Quand il avait fini, les hommes étaient encore sur la terre. La Bible dit, qui avait fermé la porte? Qui avait fermé la porte? J'écris ici, éternel, c'est lui qui avait fermé la porte. Comment il avait fait pour fermer la porte? Il est descendu. Est-ce que c'est clair? Or, en descendant, il devait garder ce qu'il a dit. L'Éternel est assis sur son trône pour toute l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il dit que l'Éternel était où? Il était sur le trône. Or, qui avait fermé la porte? Dans ce jour-là, il était dans le trône et sur la terre. Et quand il a fermé la porte, où était-il passé? Quand il a fermé la porte, où était-il passé? Suivez-moi avec beaucoup d'intelligence. Bon, on a repris la maille au fondement. Quand il a fermé la porte, il n'a pas laissé Noé seul. Parce que Noé ne savait pas où aller. La pensée de Yahweh, c'était de prendre Noé, les amener dans les hôtels. Vous savez que l'arche de Noé n'avait pas de gouvernail. Ce n'était pas Noé qui gouvernait ou qui conduisait l'arche. Dans les bateaux, il y a un capitaine qui a le gouvernail. Il conduit le bateau là où il veut. Mais vous remarquez que ce n'est pas Noé. Et d'aller pour la Noé, je vais fermer la porte. Oui, je vais te dire ceci.
Même si tu prêches les gens, même si tu baptises beaucoup de gens, ce n'est pas le chef de l'église. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. C'est celui qui va fermer la porte. Et toi, Noé, et tout ce qui était à lui, personne ne peut sortir ni après. Le chef de la fin de la grâce. Et dans les soukas, il y a un beaucoup. Moto a kangi masuwa eza nouete. Elingo la kisatoza piso mon kote, il est ici avec nous. Aze l'homme na piso au. Est-ce que vous me suivez? Anangai. Maintenant quand il a fermé la porte. Si toi t'as voyé à ta. Ok. Qu'est-ce qui s'était passé? Et l'homme a mis les salamak. La Bible dit quoi? Le Bibini. Le délige. Et t'en pela. Qui tombait. Oye t'en aille pour quoi? Sous les frais lâches. Et pour les masuwa. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Et là pour l'élève. C'est que l'eau qui descendait. Avec comme objectif de faire quoi? Et comment tu n'as pas dit à quoi ça? C'est que le soulèvement des lâches. Et que toi pour moi, il y a quoi? C'était la montée. Et ça a été pour m'attendre au bout toi. Or avant la montée de ces gens-là. Donc en dehors il y a mon abattoir là-bas. Quelqu'un t'est descendu. Et là il y a mon témoin qui t'a dit. Sans la descente, personne n'était monté. Osanga Kokita, Motomokota Bokina Bomata. Maintenant, si tu étais, tu crois vraiment que c'est l'éternel qui avait fermé la porte? Si vous êtes aux Amayel, vous êtes ma soeur, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Oui, parce que c'est l'éternel. Et ça dit, Yahweh. Maintenant, ils vont quitter ici. Si vous êtes là, vous êtes là. Ils se retrouvent quelque part. Bah, mais Koutine, si Kamoko Songolo. Attends, vous avez mal été. Qui conduisait les bateaux? Non, la bande est côté à Moussamassoua Wana. C'était l'éternel. Oui. C'est que l'éternel était avec eux. Et lui, pour le mec, il y a un Zaké le Mona Bango. Il était avec eux. Un Zaké le Mona Bango. Il les conduisait vers. Abaneko Kambabango, Tino. Le Père Wapi. Du temps de délige. L'éternel était où? Natango Yabela. Yawa Zaké Wap. Qui sont tous? Du colon à Gwendenaye. Qui était descendu? Nana Kitaki. L'éternel. Yao. Il est descendu. A Kiti. Pour prendre les hommes qui étaient sur la terre. Pour la collecte à la Mais il les amener à la rencontre de l'éternel qui était assis sur le trône. Pour la collecte à la Kokuta, Nana Yao, et moi, il y a un du colon à Gwenden. Les hommes. Ah, pour soi, est-ce que c'est clair? Il va pour parce que là, ce n'était que l'ombre. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il dit dans Luc 17, ce qui était arrivé du temps de Noé, arrivera au temps de fils de l'homme. Et pour ça, la ma peine n'a pas eu la main à la moto. Si tu t'en de Noé, ce qui n'a pas eu la main, il n'avait que 7 personnes. Et t'as l'air d'être dans la voyez bien, non? Combien de gens étaient dans l'âge? Batoboni, Batoboni, n'a pas eu la main à Noé. Pas 8, 7. Nazaré dit ça. Noé était le juste. Adraki moyen de ben. Sans délige. Osana Pelawana. Noé n'avait pas de problème. Noé Azaraki n'a makabouté. Ce qui était des péchés. Bao Bazaraki Basumuki. C'était 7. Azaraki descend. C'est pourquoi c'est Noé le sans péché qui a construit l'arche. Yango Noé, Moto Azaki Lissou, Nalekaki Nakotonga, et Pelawana. La Bible dit dans ces temps-là, un seul homme était juste. C'est qui? La Bible est dans la promesse de la Bible. Il
c'est-à-dire les sept. Il dit que tu es péchés. Maintenant, si tu comprends, Noé, Noé, au milieu des sept, Nakat na bato samwana parlait du fils de l'homme. Moi, na moto, qui marche au milieu des sept chandeliers. Ouais, les sept chandeliers, ce sont les sept églises qui composaient des hommes péchés que nous sommes. Ce sont les sept personnes du temps de Noé qui parlaient d'eux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Regardez. Noé. À qui tu as fait grâce? Il ne pouvait pas aller dans le vrai ciel de Dieu. Parce que ce n'était que l'ombre. Amen. C'est comme ça que Jésus est venu, il a dit personne n'est monté au ciel. Mais néanmoins, vous savez que Jésus a fait une promesse. Yes, à ça que la dans la maison de mon père. Et qui est le ciel. Oui, est allé, il y a plusieurs demain. Dispense de mes amis. Est-ce que c'est clair? Et là pour l'aider. Est-ce que c'est clair? Et là pour l'aider. Si c'est là la vérité. Ce qui a nous allé dans son nom. Au jour de la naissance de Noé. Na, mon corakobota maya Noé. On a fait une prophétie. Ah, ça là qui s'en connaît mon corps. Il a 17 enfants. Alors, il va être témoin à eux. Il fera quoi? Après ça, la ville. Il nous consolera. Après les cas, n'a pas bon de sa bisso. De toutes les malédictions. N'a pas été l'union sur la mabé. Que l'éternel a maudit la terre. Oh, yo, Yahweh, à laquelle qui m'a belé. Qui a maudit la terre? Non, à laquelle qui m'a belé ma belle. L'éternel. Et à la qui Yahweh. Et Noé. Casse Noé. Avec la capacité de travailler pour enlever. Noé a dragué dans ma côté, il a posé la pointe à la pointe à la belle. Qui est celui qui peut enlever la malédiction que l'Éternel a prononcée sur la terre? Nani, Oyo, qui n'a pas le droit, il a dit ma belle, Oyo, Yahweh, a l'égard qui n'a pas le droit à ma belle. C'est vrai que Noé. Et quand on a dit Noé, c'est pourquoi je crois. Nayango n'a pas dit ma. Si la malédiction, ce qui est l'Éternel, Yahweh, sur la terre, n'a pas belle, a été tombé par Noé, et que Noé le voit qui a mort. Se sauver. Oh, il y a un soumou qui est sauvé.
son épaule la couronne. Afin que par l'œuvre de la couronne, que nous soyons sauvés sans nos efforts. Et moi je crois que l'œuvre de la couronne enlève toutes les malédictions de la terre. Parce que les symboles des malédictions, après que le péché soit entré, Dieu a dit, la terre te produira les épines. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la croix, au lieu de mettre sur lui une couronne d'or, les gens ont pris la couronne d'épines, ils ont mis sur sa tête. En réalité, ce qu'il voulait dire, la malédiction qui était sur la terre, qui faisait souffrir les gens, n'a même jamais chargé les élans. Il a porté ta malédiction sur la croix. C'est de lui que Noé parlait. Et que quand Noé travaille, quand Noé arrive à la fin de son œuvre, comme il a su qu'à il faut que la porte soit fermée. Et c'est bien dit que ça va y avoir quand même. Je vous dis, maintenant que nous parlons, la porte est à convertir. Écoutez, et doivent entrer à qui tu as fait grâce à entrer. Pourquoi vous remarquerez? Pour les pigeons. Pour les pigeons, ils ont une vitesse. Dès qu'on les appelle, ils frappent les ailes. Mais le temps viendra, la porte sera fermée. Et c'est un grand signe. Personne ne pourra encore entrer. La porte sera fermée. Dans ce jour-là, il est éternel ne sera pas seulement dans le ciel. Il descendra sur la terre afin de prendre les concernés. Les amener dans le lieu céleste. Amen. Quel est le coro? Est-ce que c'est clair? Il a fait la polémique. C'est pourquoi j'ai même mon père, un serviteur disait souvent. Nango, Moussali, mon papa, mon coloba. Où est-ce que Paul a ramassé ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 4? Ouais, puis si Paul a dit dans le colocota, dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le Seigneur descendra du ciel. Et que Yahweh a tapé dans ma belle. Écoutez. Oyo. Peut-être tu diras, bon, c'est seulement ce témoignage. Quand il t'a dit, mon compte, prenons un autre témoignage. C'est ça, celui-là, vous le connaissez très bien. Dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie. Néhémie 9, verset 13. Néhémie, chapitre 9, verset 13. Voilà ce qui est écrit. Tala Oyekomani. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Olekati na kokita, likolo na ngomba ya Sinaï. Qui était descendu? Néhémie n'était pas fou. Néhémie a dit que Sinaï n'est pas dans les ciels. Ebi mala, ngomba ya Sinaï ezalaki na likolo te. Néhémie sait aussi ce qui est écrit que l'Éternel est assis sur son trône. Mais qu'est-ce que Néhémie dit? J'ai réalisé là. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu les parles là. Du haut des cieux. Qui était descendu? Nana kitaki. L'Éternel.
sois pas pressé avec ces choses. C'est qu'ils étaient là. Et sur la montagne de Sinaï. Ils ont vu la nuée descendre. Ils ont senti la terre commence à trembler. Ils savaient que qui est descendu. Parce que là sur ce Sinaï, Moïse était. Moïse a dit qu'on a. Il est en train de mettre les trombeaux. A d'un coup, les sabbaté. La terre n'a pas tremblé. Et ma belle est dans la terre. Mais quand l'Éternel est descendu. Quand il est au Yahweh, il est au Kakiti. Tout le monde sentait. Maintenant, il est au Yokaki en haut. La Bible, la Nana, soit suivant très bien. Voilà, Nana, madame. Nous sommes ici. Tous à l'Iawa. Nous nous rendons compte. Tout le monde était. L'Éternel est descendu. Yahweh a dit. Il n'a jamais été. Il descend, il y a des agitations, mais il ne parle pas. Les gens savaient qu'il est descendu pour parler. Pendant qu'ils étaient attentifs, en regardant la montagne, ils ont écouté la voix descendre. C'est qu'ils avaient des difficultés. Qui est descendu? L'Éternel. Mais quand la voix parle, qu'est-ce que la voix disait? Il est très intelligent. Ah, écoute, Boyoka. Israël. Israël. L'Éternel ton Dieu. Yahweh Zambelayo. Et un. Azali Moko. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'ils savaient qu'il serait comme des humains. En voyant celui qui est descendu, en écoutant la voix au ciel, il pensera qu'il existe tel Dieu. Mais pour éviter cette confusion, sa première parole, il se écoute Israël, Yahweh ton Dieu. Il doit dire à Israël. Si toi qui étais vivant d'Israël, toi qui crois qu'il y a trois dieux, qu'est-ce que tu penseras? Ceux qui ont la manata on a Israël, ils ont dit ma grand-mère, mes amis, ça, ils ont colombani. Tu vois? Il est descendu. Le monde est la première personne. Adam au tombeau quoi? Et celui qui était là au ciel. C'est une autre personne. Alors que lui-même a dit. Où se trouvait Jésus? Yes, Azaraki, moi. Est-ce que vous savez? Oui, Abi. Que jusqu'en ces jours-là, et que na mokolowa nta mokolowa, Jésus était descendu. Yes, Akitaki. Il n'avait pas encore commencé à enseigner. Abandaki na le côté à terre. Je vous ai expliqué. Na libo de la Bible. L'Éternel est descendu dans la montagne de Sinaï. Tango ya Akitaki na ngoka Sinaï. Il était d'abord calme. Avant jusqu'à ce que la voix s'est fait attendre dans les cieux. Est-ce que c'est clair? Israël n'a jamais une confusion là-dedans. Israël c'est comme ça Jésus. Jésus est la même chose. Il est descendu. Il était là. Et lui pouvait dire. La même voix devrait parler depuis les siècles. Est-ce que
qui parlait. Oh, dans les montagnes de Sinaï, c'est lui qui parlait. Israël écoutait. Yahweh lui-même qui est un. Et Yahweh, 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 c'est pourquoi j'ai dit si les trinitaires connaissaient ces choses, ils ne parleraient pas ceux qui sont en train d'enseigner. Rappelez-vous, nous avons 18 ans d'Élise. Les gens sont venus chercher qui? Batobayaï Kolukanani. Élisée. Il est radis. Ce n'est pas ici l'homme. Suivez-moi. Je vais vous conduire vers l'homme. Est-ce qu'il existe des Élisées? Pourquoi le prophète Élisée avait fait ça? Pire que ça. Il y a du temps de Moïse. Moïse est venu sur la montagne. L'Éternel est descendu sur la montagne. Yahweh a quitté le colon en gomba. Écoute ce qui parlait. L'Éternel, l'Éternel, riche en bonté. Qui parlait? Qui parlait de qui? Le jour que Jésus était baptisé, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus était dans l'eau. Il sortait, c'est pas ça. Or, avant cela, Jean avait la vision. Dieu lui avait dit, je te révélerai la personne que tu ne connais pas. Ah, Napotani Sayo Moto Oyo Yebite. Dieu voulait que Jean identifie la personne. Zabalgate était Jean Ayeba Moto Yango. C'est comme cela. Exactement. Pendant qu'il était là, Natango Oya Zakwana, Jean avait fait quoi? Yoana Manaki Nini Nani. Qu'est-ce qui descendait du ciel? Et là, on va dire qu'il était à Moutan Angolo. Dieu est tellement intelligent. Il est écrit, le Saint-Esprit, sous forme corporelle, d'une colombe. Qui descendait. Quand la colombe descendait, la colombe s'est posée sur qui? Sur Jésus. La foi qui suit, c'est l'explication de la vision. Quand il y a une vision, il faut que Dieu interprète la vision. Parce que dans les ciels, une colombe n'existe pas. Mais pourquoi il y a eu cette colombe-là? La Bible dit ici, la colombe signifie un envoyé humble. Il est écrit, je vous envoie, soyez simple comme. C'est la colombe dit, un envoyé simple et humble. En effet, cette colombe expliquait que c'est Jésus, un envoyé.
l'Inde. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Si vous comprenez bien ces choses, vous allez savoir que le Saint-Esprit qui a pris chair, c'est ce Jésus qui marchait sur terre. C'est ça l'explication. C'est pourquoi quand Jean l'a fait, Jean n'a pas dit voici la colombe. Jean a vu la colombe. Qui faisait quoi? Ah, je vais vous dire. Il descendait. Mais quand il explique aux gens, voici l'agneau de Dieu. Oh, Jésus a dit, je vous envoie. Soyez prudents comme un récord. C'est que la colombe, ça veut dire simplement Dieu dans sa simplicité. Est-ce que vous comprenez? Parce que qui est esprit? Lisez la Bible. C'est Dieu qui est esprit. Mais quand c'est Dieu là, Dieu seul qui est plus grand, il peut devenir si humble pour sauver les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Donc il n'existe pas toi Dieu, pas de Dieu, un seul Dieu physiquement présent dans les cieux et sur la terre. Est-ce que c'est clair? Si ceci est bien compris, même pendant que Moïse a fait 40 jours avec l'Éternel sur la montagne, dans les cieux là-bas, il a fait vite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'Éternel est assis sur son trône pour toute l'éternité. J'ai parlé une fois avec un des grands messieurs qui est enseignant dans les musulmans. Il était très content, mais vous les traitez. Vous dites quoi? Jésus est Dieu. Il a dit. Si Jésus est Dieu, les 33 ans qu'il a fait ici sur la terre, c'est hélas dans les trônes, c'est un vide. Il était très content. Je le regarde. Donc pour lui c'était une grande question dont les chrétiens doivent s'éteindre. Je lui dis bon, laissons d'abord Jésus à côté. Bon, toi tu connais. Je prends les termes que tu aimes, Allah. Je prends les termes que tu aimes. Allah. Est-ce que tu sais qui a donné à Moïse le lettre sainte? Oyebi, na koma na bino bondi magaite. Ala de mutape sakato Moïse. Adwaka libekwa ne pa yanan. Il a fait l'erreur de le faire lire quand Allah a donné le livre sacré à Moïse. Asali beba na kota malobi tango Allah apesa ki libekwa pa na Moïse. Il a fait descendre dans les terres d'Israël. Allez, je vais poser la question. Tu sais, Allah fait combien de jours avec Moïse? Il a dit 40 jours. Allah, Asalaki, Nikolokoli, Moïse, Nikolokoumine. Donc, j'ai posé la même question. Quand Allah fait 40 jours avec Moïse, il a dit Allah, Asalaki, Nikolokoli, Moïse, quoi? J'ai dit, laissons Jésus. Allah n'est pas comme moi et toi.
Tu vois Jésus sur la terre. On m'a dit hier sur ma belle. Je laisse d'abord laisser le matin. Je prends seulement la terre. Jésus le même a dit clairement aux gens. Regarde, il dit allez dans toutes les nations. Sans honte. Hein? Il dit ça à qui? À ses disciples. Ceux-ci vont ici. Les deux vont de l'autre côté. Les deux vont de l'autre côté ici. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais voici, je suis avec vous. Le Pierre est de l'autre côté. Jésus est avec lui. Matthieu est de l'autre côté. Jésus est avec lui. Venue du Seigneur en d'autres termes. Ah, tant que tu es, tu vas y couper sa maison,
na kolobela na tina ya bozongi ya kolo. L'apôtre Paul. Thomas Paul. Il nous a enseigné la disciple. Ah, la disciple toi tu as à le dire. Dans le livre des Thessaloniciens. Na boku ya ba Thessalonique. Voilà ce qui il y a des dictionnaires français. Nanazana ndimbola ou limbola kalokota français. Dictionnaire. Je lis 1 Thessaloniciens 1 verset 9 et 10. Il est écrit car on raconte à notre sujet. Prêtez bazolo banatina na biso. Préparez-nous le dictionnaire français. Bon, pour que la biso dictionnaire français. Prenez pour nous les mots attendre. Qu'est-ce que cela signifie? Je fais d'abord la lecture. On raconte un autre sujet. Quel accès nous avons eu à votre auprès de vous? Et comment vous vous êtes converti à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous nous sommes convertis pourquoi? Pourquoi? Écoutez, ça c'est pas moi, c'est qui? Yoka, ouais, ça va être ça. Nous nous sommes convertis pourquoi? Pour attendre. Maintenant, qu'est-ce qui fait attendre? C'est la cité de l'Ikolomani. Ne pas bouger. Attendre signifie ne pas bouger. Quand c'est la Ikolomani, c'est comme une alerte telle que mon corps. Reste là où l'on est. Tika la wa nesikozali. Je répète. Attendre veut dire quoi? Rester sur place. Oh, nous nous sommes convertis où? Deuxième témoignage. L'itatoli ya libale. Hébreu 9. Togena Moganaba Ebelo Mokatuna Ibwa. Voilà ce que le Saint-Esprit a écrit. Tala oye morimu mwesata komaki. Verset 28. Molomona tukumbale na mwambe. De même. Lolenge moko. Christ. Christo. Qui s'est offert. Oye lekaki na komibo za. Une seule fois. Mbala moko. Pour porter le péché. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ce qu'il attend pour les salut. Qui était à Paris? Il était à Paris où? Dans les airs. Il était à Paris où? À l'église de Père Samawati. Sur la terre. Et la Bible dit, il apparaîtra pour la seconde fois. Dans les autres versions, il apparaîtra de nouveau. Apparaître de nouveau, c'est venir pour la seconde fois là où on était venu pour la première fois. Sosolina yo. 2 Corinthiens 5. Akolito ya mibale mokapona mitano.
Voilà ce que l'apôtre Paul a écrit. Tout ça, c'est l'apôtre Paul. Il nous a dit ceci. Commençons par les premiers versets. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit ceci. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage, il demeure éternel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Nous avons quoi? Nous avons quoi? En d'autres termes, qu'est-ce que cet édifice? C'est clair. Et là, pour les... Il continue. À quoi, le verset 3. On a dit ça. Si, verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente. Désirant revêtir notre domicile céleste. Et de l'inabiso y a l'icolo. Nous sommes où? Sur la terre. Ah, madele. Notre corps. Notre aviso, que nous allons porter. Oh, toko, lata, se trouve où? Ezalati. Ça se trouve où? Ezalati. Oh, nous devons porter ce corps où? Tu expliques ça. Toko me mati, toko lata, toko wana wa. Sur la terre ou dans les cieux? Na madele, toko na makoro. Sur la terre. Nous allons répéter ça où? Toko lata ya mowapi. Comment nous sommes sur la terre? Son nom était Mardoché. Comment les amis Mardoché? Il vivait à la porte. En d'autres termes, en dehors de la maison. Le roi était dans la maison. Or Mardoché a fait quelque chose de bien. Il avait rien reçu. Un jour, les gens voulaient faire du mal à Mardoché.
roi lui a dit. Qu'est-ce que le roi fera? Et le bonheur du coup, moi, pour ça, à un nom qu'on fait honorer. N'a pas de bon mal, il dit qu'on peut faire le coup. Le temps est parti. Tant que je prends l'essentiel. N'a joué à Motouya. Cet homme dit Motouana Robi. C'est lui à qui le roi fait donner l'honneur. Au Motouana, du coup, moi, il dit qu'on tombe pour la compétence à le coup. Écoutez ici trois éléments. L'oka, Awa, Robi, ma camisa. Il dit un. Il y a une question. Que l'on prend. Et que l'on soit. Le vêtement du roi. Et que Biaba, il y a mon coup. Le vêtement que le roi a. Quoi? Que le roi ne part pas acheter un vêtement. Mais qu'il prend un vêtement qu'il a déjà porté. Oh, n'importe qui ne peut pas porter le vêtement royal. Et pour le cas de Mardochée, Michel.